Donc, yo les petits monde, c'est Logipic, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22. Comme vous avez vu dans le titre, on va faire une carrière manager avec Toulouse. On va essayer de gagner la Ligue des Champions avec Toulouse en plusieurs saisons. Et puis voilà, là, j'ai déjà lancé la carrière parce que j'ai déjà créé mon entraîneur. Et comme vous avez vu là, à l'instant, j'ai Ferrara qui a signé. J'ai épargné tout ça, la création de mon joueur et l'achat de Rezo Ferrara. À la place, je connais pas trop les noms, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Spring, je sais pas quoi là, je sais plus ce que c'est, bon c'est pas grave, j'ai épargné tout ça, et puis voilà, là on va direct commencer avec un match, on va pas perdre plus de temps, j'ai déjà fait tous les transferts, ça m'a coûté tout mon argent, j'ai plus d'argent pour le transfert, j'ai 970 000, donc voilà, on va partir tout de suite en match contre Ake, je crois que ça se dit comme ça. Alors moi les gars, je suis pas fort. J'ai mis, moi mon level c'est champion, les matchs 4 minutes. Et j'ai refusé les offres internationales. Parce que ça, je trouve ça chiant. C'est pas fou, donc j'ai refusé. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer pour le premier match sur FIFA 22, sur ma chaîne YouTube. Première vidéo sur FIFA. Si ça vous plaît, ouais, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, ça ferait plaisir. Là on est à 10 abonnés, bon c'est pas beaucoup hein. De toute façon il y a un début à tout hein. Il y a un début à tout. Toutes mes anciennes vidéos c'était sur Fortnite, mais là je fais plus de Fortnite, c'est pour ça que j'ai plus fait de vidéo depuis 2 mois. Mon PC fait plus tourner Fortnite avec OBS, voilà, voilà, je le dis parce que mon PC il est nul, du coup il fait plus tourner Fortnite avec OBS. Du coup aussi on va essayer de jouer sur la Xbox à FIFA, et puis voilà, ça sera mieux comme ça. Moi je vous dis les gars, quand en match je suis un commentateur hein. Je suis pas un commentateur fou parce que je suis pas fou en commentateur, et en plus je connais pas trop les joueurs de adversaires et de Toulouse, donc des fois les noms je les écorchais, ou des fois je vais pas réussir à lire les noms tellement qu'ils sont longs, donc excusez-moi. Hop, Silla, Vandenbomen, Ferreira avec Rato dans la profondeur. Rato qui va partir, qui prend la profondeur, qui a vu Vandenbomen avec Aile qui est passé, mais il revient en arrière. C'est quand même une passe pour Ngoumou qui rentre, qui a vu Vandenbomen qui se prend la balle, mais Ferreira qui la récupère, qui a joué en arrière avec DGRG. Aile, Ferreira, la frappe de Ferreira. Oh, ça passe un peu loin des cages de je sais pas c'est le gardien. Ça passe loin des cages de Norfeld. Ouais, c'est Norfeld. Comme Norface. Ouais, non. Question avec Dessler. Magnifique. Il va centrer peut-être pour le centre sur Raphaël. Ça a été dégagé avec Vandenbomen qui récupère, qui a fait une passe à Ferreira. Ferreira, la frappe. Et l'ouverture du score. 4-2-1 à la 18ème minute. Ferreira, la nouvelle recoupe. Et Toulousain qui vient ouvrir le score à la 18ème minute, et ça fait déjà 1-0 pour le Toulousain. Magnifique frappe près de la lucarne. Le Caradien n'a rien pu faire. Norfeld ne pouvait rien faire après cette frappe somptueuse de Ferreira. Oh, ça passe pas très loin. Je crois même qu'il la touche. Hein. Je crois même qu'il la touche, le gardien, mais il peut pas l'arrêter. C'est trop bien tiré pour l'arrêter. Ils vont, ça y est, l'engagement qui va vite être joué. Avec Raphaël qui la récupère, qui a vu Aile. Aile qui a essayé de passer. Il passe, il n'y a plus qu'un défenseur. Il se retourne, peut-être pour la frappe, pour la parade de Norfeld. Sur la frappe de Aile. Oh là là, ça passe pas très loin. Mais avec Vandenbomen qui a centré pour Diakité. Non, c'est dégagé. Ngoumou qui va essayer de la récupérer. Ngoumou qui la récupère. Qui va partir en profondeur. Et non, il y a faute. Attention, c'est récupération avec Dagier. Avec Ngoumou. Ferreira. Ferreira pour Aile. Qui a vu Vandenbomen. Ok, il va centrer la roulée. Et le deuxième but. Le deuxième but pour le Toulousain. À la 42ème minute. Ça fait 2-0. Magnifique, magnifique. Goal. Ça fait 2-0. Magnifique. Oh, magnifique. Ça fait déjà 2-0 en 28 minutes à peu près. Là, on est en train de mener au score. Magnifique. C'est magnifique.
La deuxième mi-temps qui reprend, qui la récupère, mauvaise passe en profondeur, la petite lob pour Bouzidi qui part, le centre sur Atala, Atala, pardon, excusez-moi, elle s'en fait dehors pour Eik, et oui, il vient de marquer, le timer, je crois vers la 62e minute, il vient de marquer le dehors avec El Bounzedi qui a réussi à passer la Tessler et qui a sauté, qui vient centrer sur Atola et ça fait 2-1 pour Ike. Oh, Dupé qui a rien pu faire. Eh oui, ça 63e minute, j'étais pas très loin. Eh oui, ça va jouer. Très vite, ils n'ont rien pu faire, les Toulousains. Mais Raphaël, qui commence à partir en profondeur, il n'a plus qu'un défenseur à passer, peut-être. Non, il la passe pas, il était tout seul. Attention, ça peut repartir avec El Bouzedi. Oh là là, avec Atola, la passe en profondeur, magnifique. Il est tout seul, il est face au gardien, peut-être. Face au gardien, le tac pour Alain. Ça fait deux. Pour Aïe. Oh, il vient de marquer 2 buts en 3 minutes. Il vient marquer 2 buts en 3 minutes. Mais qu'est-ce qui passe pour les Toulousains? Et ça fait 2-2. Ils reviennent en deuxième mi-temps. Alors que le tacle des Toulousains, il avait fait un tacle défenseur de Toulouse. Mais c'était pas bon parce qu'il l'a lobé. Il a lobé le tacle. Et Dupé a pas réussi à la capter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, l'entraîneur est pas content. Oh là là, c'est pas possible. Avec Aïlen Ferreira, Aïlen, encore une fois. Qui a vu Aïlen, Ngoumou qui a parti en profondeur, qui commence à accélérer, qui commence à se rapprocher de la surface avec Ferreira, la passe en profondeur. Et ça fait un 3-2. Ça fait un 3-2. À la 75e minute. Oh, c'est pas possible. Oh, que c'est quoi ce match fou? Oh, Ferreira qui vient sans être en équipe à la 75e minute, la nouvelle recrue qui vient sauver son équipe. Oh voilà, quand il reste un quart d'heure avec la magnifique passe en profondeur de Ngoumou juste à 5 mètres du but. Magnifique, le gardien ne pouvait rien faire après tout ça. Et ça fait goal. Eh oui, ça fait 3-2 pour Toulouse. Ah oui, la audace vient de passer une émotion. Énervé après avoir pris 2 buts en 3 minutes. Une émotion content après le but de Ferreira de la nouvelle recrue de Toulouse. Et voilà, il peut être content, mais il faut pas se lâcher. Hein. J'ai vers le milieu de terrain. Peut-être une dernière action. Non, c'est perdu. Peut-être une dernière action. Et non, c'est la fin du match. Et c'est fini. C'est la victoire de Toulouse au score de 3-2. Aïkid qui perd pour ce premier match. Et Toulouse qui gagne pour ce premier match. À domicile, enfin, c'est pas le vrai stade comme on est en compétition de début de saison, c'est pas là encore le stade que j'ai choisi. Et oui, c'est 2 buts doublés de Ferreira, et je crois qu'il y a but de Haile aussi. Hein. But de Haile, je crois, c'est magnifique ce match. J'ai eu 3 buts et j'ai eu 5 buts pour ce match, c'était très très serré. Il y a eu la remontada aussi, les gars. Là, je repasse en mode youtubeur, mais il y a eu la remontada, et là, je vous jure, là, mon point faible c'est la défense. L'attaque encore, je maîtrise. Le milieu attaque, je maîtrise encore. Mais la défense, c'est horrible. Je suis nul. Catastrophique, la défense. Est-ce qu'on a un MD ou un AD à la place de Ngoumou qu'on peut faire évoluer par la suite? On va regarder. Comme ça, je peux le vendre et ça me fait de l'argent. Donc, on va voir si on fait ça. 62. Ah non, en vrai, il me sert trop. Il va me servir Ngoumou. On va peut-être le vendre par la suite, mais là, pour l'instant, au début de carrière, il va me servir, donc on va pas le vendre. Donc rejeter, et si là, bah non, bien sûr que non, on va le garder lui aussi, donc voilà. Bon, il n'y a rien de plus à changer, là, on va partir tout de suite pour le deuxième match. Alors les gars, je sais plus si je vous ai dit ou pas, mais je vais faire 3 matchs par épisode, je pense que ça va être bien, parce que sinon, après, c'est pas assez long, 3 matchs par épisode, donc on va faire... ça, c'est déjà assez long, 3 matchs par épisode, donc c'est bon. Donc c'est parti pour le deuxième match. C'est qui qu'on affronte? C'est Craiova, on va l'appeler Univ, hein, ça va plus vite. Univ, oh là, ça rebute, je connais pas l'équipe en face. Donc Univ face à Toulouse, là on va essayer de gagner aussi. On va essayer de gagner, on va essayer de finir premier. De toute façon, ouais, on va essayer de finir premier. Après les poules, je sais que c'est direct la demi-finale, il n'y a pas de 8e ou de quart de finale. C'est la demi après la finale.
Donc dans le prochain épisode, si j'arrive à gagner la demi et la finale, on aura un match de saison de Ligue 2. Sinon après, si on n'arrive pas, si on perd à la demi-finale, il y aura deux matchs de compétition, mais de saison. Ouais, bah oui. Dans tous les cas, il y aura deux matchs en fait. Ah ben non, il y aura un match de saison si on gagne la finale, si on va en finale. Ok, c'est parti. Sila qui récupère, Sila avec Haile, Ferreira qui commence à partir, il a vu le trou, il part, Ferreira qui commence à accélérer, il avait en arrière, qui avait Haile, pour Haile, pour l'ouverture du score, dès la 12e minute, pour les Toulousains, magnifique action entre Ferreira et Haile, il y a une vraie connexion entre ces deux joueurs, c'est pas possible. Magnifique connexion entre ces deux joueurs. Le gardien n'a rien pu faire. Le gardien pensait pas qu'il allait tirer sur le côté droit, ras du poteau. Il a cru qu'il allait tirer plus vers la gauche. Et non, il a tiré vers la droite. Et Ouda, c'est content. Et l'entraîneur est content. Enfin, le GP qui est content. Il a dit oui, j'ai resté le main avec penalty. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Il y a main, on voit très clairement la main. Ouais. Peut-être pour l'égalisation de Univ. C'est qui a tiré? C'est Ivan. Ivan face à Dupé. Ivan en plein milieu. Et il la met. Et ça fait 1-1 entre Univ et Toulouse FC. Oh, que le match commence bien à la 15e minute. Ça commence très très bien entre les deux équipes. Et ça fait. 1-1, il a tiré vraiment en plein milieu. Dupé est parti sur la gauche. Et Ivan l'a fait en plein milieu. Et voilà. Ça fait déjà 1-1 au bout de 16 minutes de jeu. Moi, apparemment. Non, oui, je pense à date. Je crois. Il est loin le coup franc. Avec Ferreira. Ferreira qui se retourne. Qui a vu qu'il y avait un espace. La frappe. Oh le but. Oh le deuxième but. À la 21e minute. Putain, Ferreira! Oh là là là! Après une passe décisive, il marque son but! Et ça fait déjà son troisième but en deux matchs! Il avait vu qu'il y avait un trou qui pouvait la mettre! En plus, le gardien le touche! Lazare le touche! Mais c'est pas assez pour l'envoyer en dehors du but! Oh là 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 là! On voit bien qu'il y a une touche! Oh, excusez-moi. Est-ce que moi, il voit bien que la touche est là, le GP est content, l'entraîneur est content. Ça peut être dangereux. Bankou avec Ivan qui est pas en jeu. Ivan qui va peut-être pouvoir centrer. Oui, il peut centrer sur quoi? Kalajic, l'égalisation. Mais c'est pas possible. Encore une fois, une égalisation. Oh, Univ qui égalise encore une fois face à Toulouse. Oh, c'est pas possible. Oh là 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 là, c'est un magnifique centre de Ivan. On le croyait hors jeu au début. Sur Kalajic. Oh là 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 là, Dupé n'a rien pu faire. Et ça fait 2-2 à la 30e minute. Et encore l'équipe est serrée. Eh oui, c'est pas possible. Dès que Toulouse marque, Univ égalise. Toulouse a marqué un but. Univ égalise. Toulouse a encore marqué un but. Et Univ encore égalise. Oh, dès que Toulouse marque, il se lâche. Il se lâche à la 30e minute. Quel match de fou. Goumour avec Haile. Haile qui la récupère. Il a vu Van Den Bomen avec Ferreira qui a vu en profondeur. Ferreira la frappe. Le but juste avant la mi-temps. Ça fait 3-2 pour les Toulousains. Magnifique accélération de Ferreira. Et ça fait 3-2 juste avant la mi-temps. Et oui, ils prennent l'avantage jusqu'à la mi-temps. Ils vont être confiants à la mi-temps. Ils vont rentrer à la mi-temps avec un 3-2. Magnifique but de Ferreira. Et ça fait déjà un doublé pour ce joueur. Et ça fait déjà 4 buts dans cette compétition en deux matchs. Quel joueur! Quelle recrue ils ont acheté! Magnifique recrue qu'ils ont acheté les Toulousains. Ils ont bien fait de l'acheter cette recrue. Parce qu'elle est en train de faire encore une fois des merveilles. Je suis comme si c'était quoi un tender alors que passe-moi du tueur. Qui sera avec Ferreira. Cap. Et il va rester 20 minutes avant la fin de ce magnifique match. Mais Coury, la magnifique passe. La frappe de Coury. Oh alors qu'il était blessé. Il vient égaliser. Oh là là, il vient égaliser. Alors qu'il était blessé.
On le voit, Eki était blessé. Elle est toujours sur le terrain. Il vient égaliser. Et ça fait 3-3. On l'avait dit qu'à chaque fois que Yves était mené, il arrivait toujours à venir sur ce au score. Avec le passe de Cole, Cojelic ou je sais pas quoi là, qui fait ma magnifique passe à Ouri. Et Dupé n'a rien pu faire alors qu'il a touché. Il a touché du côté gauche de la main, mais il n'a pas réussi à la capter. Oh, c'est pas possible. Ça fait 3-3 à la 71e minute. Récupérer la mauvaise passe. Attention, ça peut être dangereux à l'entrée de la surface. Détourne ça à la frappe. Oh, la pleine lucarne. Mais c'est pas possible. Ça fait 4-3 pour Yves. Ça fait 4-3. Et il mène à la 88e minute. Oh non, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là là là. Attention avec N'Goumou. Est-ce que là c'est les Toulousains qui vont réussir à égaliser? Est-ce que c'est les Toulousains avec N'Goumou? La frappe. Oh, ça a été contré. Oh, ça sortit en corner. On croyait que ça allait mettre contre ce corps. Et c'est la dernière action pour les Toulousains. Quoi, il faut la mettre au fond. Faut la mettre au fond, sinon c'est perdu. Et c'est perdu pour les Toulousains. Oh, le deuxième match est perdu. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est perdu. Non, c'est pas possible, les Toulousains qui ont perdu. Alors qu'ils arrivaient à mener à chaque fois, ils mettent le but. Ils mettent le but. Anive égalise, ils mettent le deuxième but. Anive égalise, ils mettent le troisième but. Anive égalise, et là, la 88e minute, Anive vient marquer, il vient écraser Toulouse, et il vient exterminer Toulouse, et ce match finit sur un 4-3, et ça fait très mal pour les Toulousains, alors qu'ils étaient bien partis au début de match. Et c'est bon, c'est parti pour le dernier match de la compétition, mais du classement. Là, il va falloir absolument gagner cette équipe. Attention, N'Goumou qui a récupéré de la surface. C'est dangereux. N'Goumou la frappe à l'ouverture du score. Tête Toulousain. Dès la 5e minute, ils sont directement rentrés dans le match. N'Goumou qui vient prouver qu'il a sa place de titulaire et qui vient ouvrir le score dès la 5e minute. Voilà, mauvaise perte de balle. Ah oui, c'était très très dangereux cette perte de balle dans la surface, fallait pas la perdre. Il a réussi à la perdre. Et N'Goumou qui vient mettre ce but, qui vient la mettre au fond pour le 1-0. Et au moment où par la 5e minute, Toulouse est qualifié. Ça fait que 5 minutes, mais Toulouse est qualifié. Et ça peut déjà leur donner de l'avantage. Il marque plein de buts, ça leur donne déjà confiance. Après ce but dès la 5e minute, ça peut leur donner confiance. La défense de Toulouse et qui la capte. Dessler, déjà avec N'Goumou qui la perd, mais sa récupération de Haile qui a vu Ferreira qui va peut-être partir sur la profondeur. Oui, Ferreira qui part sur la profondeur, il commence à se rapprocher petit à petit du centre, mais il va peut-être centrer sur la tête. Oh non, il a pas tiré, j'ai le seum, non. Putain. Attends. Unden Bowman avec Ferreira. Ferreira avec qui l'a vu Haile en profondeur. Haile, la frappe sur le roulet. Et le 2-0 à la 40e minute. 2-0. Magnifique. But des Toulousains. Et voilà, ils vont rentrer peut-être avec 2-0 à la mi-temps. À la 40e minute. Oh, c'est magnifique pour eux, les Toulousains. Oh, oh là 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 là. Ça fait déjà 2-0. Magnifique. Là, ils vont être tranquilles, là. Là, ils vont être bien. À 2-0, ils vont être tranquilles. Pour la première mi-temps. N'Goumou qui a vu de l'autre côté. Dessler qui tout seul. Il a le temps pour centrer sur N'Goumou. La tête. Elle a 3-0. Et ça fait 3-0. Dans le traditionnel dépassé. À 1 minute 30. Au lieu d'une minute. Et ça fait goal. Goal, 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 goal. Goal, 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 goal.
3-0 juste avant la mi-temps. Et là, c'est sûr, ils vont rentrer au vestiaire avec 3-0. Magnifique centre de Dessler sur la tête de Ngoumou qui dépose cette magnifique tête dans le but. Ah oui, Dessler était pas pressé. Il était libre. Et bien, il pouvait être comme il voulait. Il était libre. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et oui, il était libre. Le défenseur l'a pas pris. Et il était dans sa zone tout seul. Il a pris le temps de centrer. Et il a bien fait pour déposer la tête, pour déposer le ballon sur la tête de Ngoumou. Deuxième mi-temps qui reprend, c'est la deuxième mi-temps qui reprend avec l'engagement de Toulouse. La frappe! Oh, je m'y attendais pas! Je parlais plus, j'étais concentré, je m'y attendais pas pour cette frappe sur le 3. Ils viennent marquer, Kayak, ils viennent marquer. Voilà, j'y pensais pas qu'il allait tirer aussi loin et qu'il allait marquer, enfin tirer aussi loin. Ouais, il est pas très loin quand même. Mais je pensais pas qu'il allait marquer, c'est pour ça que je pensais que Dupé allait la récupérer, j'étais concentré. Et du coup, il vient mettre le but. 74e minute, toujours 3-1. Attention à Ailey. Oh, Ailey qui passe entre les deux joueurs. Ailey qui a peut-être essayé de passer. Non, le mauvais drip, ça donnera rien. Oh, magnifique passe en profondeur pour Jeboé. Jeboé, attention, faut pas essayer de se prendre un deuxième but parce que ça pourrait être dangereux. Non, c'est bon. Voilà, il a perdu le ball. Et voilà, c'est bon, c'est fini. C'est la fin de ce match. C'est terminé au score de 3-1 pour les Toulousains qui sont qualifiés en demi-finale de la coupe de début de saison, d'avant-saison. Ailey, Ngoumou et Kaya qui marquent. Il manque un but là. Ouais, je sais pas. Bon, oh, Univ qui gagne. Heureusement qu'on a gagné parce que Univ vient de gagner. Donc, heureusement qu'on a gagné. Sinon, si on n'aurait pas gagné au match nul, on aurait perdu. Donc, heureusement qu'on a gagné. Parce qu'on passe du coup en demi-finale. Bon, bah les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de mettre des pouces bleus et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !